Ouais, c'est Crash. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour l'épisode 2 sur Cyberpunk 2077. C'est parti. Let's go. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, saviez-vous qu'un porte-avions d'Arasaka venait d'accoster à Night City? Il a été baptisé Kujira, la baleine. Apparemment, la Corpo l'estimait menacée dans les eaux japonaises. Il craignait que des pêcheurs locaux le harponnent pour mener des recherches scientifiques. Non, là, franchement, c'est assez osé. Je sais pas comment Militech va réagir. Myers va peut-être envoyer une vieille forteresse volante B-17 survoler le siège d'Arasaka? Oh, je vais peut-être un peu trop loin. Je ne voudrais offenser personne. Je voulais dire là. Présidente Myers, bien sûr. Dans tous les cas, il faut respecter la fonction. Quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti, ya. Let's go, on continue à rejoindre Jackie. Ce let's go, on le rejoint. C'est parti, ya. C'est parti, mon kiki, ya. C'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé? Et d'où tu connais mon nom? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus B. Si on se faisait un round ou deux, t'es partante? Qu'est-ce que tu dis de mon nouveau sac de frappe? Je vais me mettre une raclée en mode 2.0. Non merci, ça va aller. Je serais curieux À de voir plus. comment ils s'en Non, sortent ça face va, à ça va. UV. À plus, à plus. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tenir le pistolet de Wilson. Je vais jeter un œil. Vas-y. C'est quoi? Quel pistolet? Attends. Attends, je lui dis 45, attends. Je vais jeter un œil. Attends. Mais c'est quoi? Ouais, bref, bon, je verrai ça plus tard. Hein. Je suis pas pressé. Hein. Je verrai ça en temps voulu, c'est pas grave. Je vais jeter un œil. Je vais jeter un œil. Je vais jeter un œil.
Attends, j'ai pas compris le truc là. Je vais jeter un œil. Merci beaucoup. Ah, ok, c'était ça l'alarme. MDR. Allez, c'est parti, on y va, les amis. On va rejoindre Jackie. Let's go. Excusez-moi le temps que j'ai pris hein, pour chercher l'arme, c'était compliqué, donc désolé. C'est parti. D'une surprise hier. Mes souvenirs sont bons ou bien j'ai complètement déliré? Il doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un poulot, le genre premium. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup en fait. À part que c'est pour. Ah, comment il s'appelle déjà? Ah oui, un certain Dexter de Chon. C'est juste le meilleur fixeur de Two Night City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué or. Dexter de Shawn, qu'est-ce que tu sais sur lui? Je sais que t'as des infos à balancer. Il avait disparu ces deux dernières années. D'après la rumeur, il s'était pris des petites vacances. 2 ans? C'est plus des vacances, c'est un exil. Qu'est-ce qui branlait? Ah, j'imagine qu'il s'enfilait des pizzas en se branlant sur des virtus hardcore. Tout ce qui compte, c'est qu'il est revenu, qu'il a besoin d'une nouvelle équipe, et qu'il nous a trouvés. Comment t'as décroché ça? T'as vendu ta rate, un truc du genre? Parce qu'a priori, toi et moi, on est vraiment pas le type de Dex. Toi et moi, c'est sûr. Betty Bug, c'est elle qui nous a mis en contact et qui a lancé la discussion. J'ai su que c'était dans la poche dès qu'il a posé les yeux sur moi. Sérieusement, tu connais quelqu'un qui pourrait résister à ça, toi? Bien sûr, Jack. Si tu le dis. Alors, c'est quoi le plan? On est censé s'en tirer vivant? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais tout repose sur toi, Chica. Pourquoi c'est moi qui m'y colle? T'avais tiré à la courte paille sans moi, T-Bug et toi? T-Bug et Dex sont amis depuis longtemps. Et moi, tout le monde me connaît. Il veut juste te jauger, te parler. Ah, écoute, V, c'est son boulot, ses règles. Normal qu'il veuille savoir qui il engage. Mais y a pas de quoi s'inquiéter. Fais-moi confiance. J'imagine que j'ai pas le choix. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein, j'ai rien contre le Padre ou Wakako, mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire? Je les connais, les fixeurs.
Il chope un client, il trouve le pommard le moins cher pour le job, et il balourde son corps dans une décharge. Putain, t'as tapé dans le mille, mais... Grâce à Dios, estoy lleno. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les désos. Merci, Jack. C'est super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi? Voyons ce que Spige voit dans le ventre. Allez, let's go, on va voir ce qu'elle donne cette voiture à 2V. Ok, je voulais monter, mais te dérange pas, vas-y, passe devant moi, wesh. Et ouf, lui. Par quoi? MDR. Charculoc. Et mollo sur l'accélérateur, Chica. Et je viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un rencard. Avec Misty. Sans déconner. Bah ouais, je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Amène-toi, allez. Retrouve-moi quand tu Ok, des trésors cachés, Night City, ses environs. Ok. D'accord. Donc on y va, let's go. Là, cet épisode, il va être calme. Pas. Pour l'instant, il va pas se passer des trucs de ouf. Mais vous inquiétez pas, pour la suite. L'installation matériel cybernétique a beau être une pratique courante, il n'en reste pas moins une opération dangereuse et invasive qui ne peut être effectuée que par des spécialistes modifiés. Des Charculoc, Night City en comporte plusieurs qui offrent différentes améliorations matérielles. Sélectionnez l'amélioration cybernétique que vous désirez dans la liste et profitez de vos nouvelles capacités. D'accord, ok. Hey Vic, t'as l'air en forme pour un Vioc. Contente de te voir. Moi aussi, je suis contente de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf. Je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et je crois que j'ai chopé un truc. Migraine, nausée, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petite. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va? J'ai rencontré un nouveau fixeur qui m'a filé un boulot. Il s'appelle Dexter DeShawn. Une figure célèbre de l'afterlife. Tu montes les échelons, pas de doute. Mais... t'as quelque chose à me dire, Vic? Reste sur tes gardes, c'est tout. J'ai entendu parler de Dex. Il est pas aussi cool qu'il le laisse croire. J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment? Maintenant? Enfin? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex DeShawn. Je joue dans la cour des grands maintenant, il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter DeShawn, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé.
chiale pas, Vic. Je te rapporterai les édits plus tard. Avec les intérêts, tu me connais. Ouais. C'est la dernière fois, ok? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Kiroshi, waouh, Vic, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors ça devrait être utile, je crois. J'ai promis de te rembourser, mais ça, c'est peut-être un petit peu au-dessus de mes moyens. On s'arrangera. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que tu reviendras en un seul morceau, avec des édits plein les mains. Attendez, je vais faire un truc. Je vais mettre pause sur la vidéo. Attendez, il est où ma télécommande? Donc, je mets pause sur la vidéo. Je mets pause sur la vidéo et je reviens. A tout de suite. De retour, excusez-moi. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. Ah ok, il n'y a que les charcutes qui peuvent nous implanter du matériel cybernétique dans notre système. Ok, d'accord, j'ai pigé le truc. Ok, ça marche. Pour l'instant, je fais ça parce que j'ai pas grand chose là en vrai. Donc, je suis que réputation 2 et niveau 2. Donc, je peux pas faire grand chose pour l'instant, pour dire la vérité. Ok. Comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentilles externes intégrées. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Kiroshi. Je suis prête. Charcute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petite. Étends ton bras de championne ici. Alors, quoi neuf dans la vie de Victor Vector ? Franchement, pas grand-chose. Et c'est très bien comme ça. Je vivais dans un monde où rien ne comptait, à part les noms, les faits, le pourquoi, le comment. Il s'est passé quoi? Un jour, je suis parti sans jamais me retourner. Je serai jamais une légende dans cette ville.
mais je dors bien depuis. Comme ça, merci. Un petit anesthésiant et je commence à inciser. Tu sens quelque chose ? Non, comme d'hab. Je sens rien. T'as conscience que tu me demandes ça à chaque fois ? Je vois pas pourquoi tout d'un coup ce serait différent. T'as raison, petite. C'est pas comme si tu risquais de faire un arrêt cardiaque ou de rester paralysé. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Je suis qu'un pauvre docteur. Enfin, bon, bref. Je te coupe l'image une minute, ok ? Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Tu te sens bien ? Waouh ! C'est mortel, Vic. Ah, nickel. On... Vous pouvez obtenir un tas d'infos tu en scannant les gens qui m'ont maintenant les humanités, comme la force d'un ennemi, un gang actuel. À partir du type d'arme que j'utilise. Ok, ok. Passe au scanner. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais. Il y a une première fois tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauté. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Et pour le neurovirus du dernier taf, tu sais, tu peux regarder ? Je m'en suis débarrassé quand j'installais ton implant. J'ai lancé un scan complet de tes circuits, logiciels, et j'ai liquidé ce petit enfoiré. T'as ma garantie zéro bug. Putain, Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. Deux bouffées maintenant, deux autres dans une heure. C'est quoi ce truc ? Un léger stimulant. Ça va booster la neurotransmission à court terme et estomper certains effets secondaires pendant que l'implant s'installe. C'est quoi ce truc ? Un léger stimulant. Ça va booster... C'est le meilleur, Vic. Je t'en voudrais ça. Allez, petite, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Baisse pas ta garde. Qui est-ce qui gagne ? Hernandez. Tu sais, à la bonne époque, ce blaireau de Malone se serait fait sécher direct. Maintenant, tous les boxeurs ont un renforcement crânien. Ça absorbe 75% des chocs. Ok, bon. Allez, j'y vais. Parce que Jackie m'attend là. Je vais pas tout le temps parler avec lui, hein. On a fait ce qu'on devait faire, on n'a pas fait grand chose hein, dans cet épisode, je suis désolé. Hein. Dang. Allez là. Jackie, il est où celui-là? Ouais.
Y'a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici. À côté de Gramsci Burgers. Ok, je vais aller faire mon numéro. J'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyberpsychos en ville est en pleine augmentation. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Pour différentes raisons. Il y a des gens qui disent que la cyberpsychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue. Mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. On va peut-être enquêter avant que la Max Tax se ramène. Mais je te rappelle que t'y vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho, et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair. Ah, Miss V. Enchantée. Dexter de Shawn en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Madame Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héroïne sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? Je veux la première place ou rien, Dex. Peu importe le prix. Bien sûr. Je n'en attendais pas moins d'une petite jeune qui a la dalle. Miss V. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Minute. Moi aussi j'ai une question à vous poser. Pourquoi tout ça ? Pourquoi moi ? Vous auriez pu demander à Jackie ou T-Bug de venir à ma place. Ou alors vous auriez pu m'appeler. Tu vas me trouver vieux jeu. Mais j'aime bien voir avec qui je fais affaire. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer l'ami Jack par le passé. Et la douce T-Bug m'a rendu service il y a 2 ans. Ce qui m'a amené à te contacter. En plus de ça, j'ai une petite mission préliminaire rien que pour toi. Mais je vais y revenir. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot ? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce, pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine ? Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet dédié. Vous y avez réfléchi ? Vous avez un plan ? 2 choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler sa fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut ? Pourquoi ce rendez-vous ? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et ? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et s'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug, ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom ? Vous êtes en froid ? Insère l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire.
Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. L'agent Corpo, à quoi elle joue ? J'en sais foutrement rien. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. On dirait qu'elle attendait le convoi et qu'elle s'est fait planter. Le costard à l'arrière est sûrement son principal suspect. Comme elle a rien tiré de lui et qu'elle a pas de preuves, elle le garde au cas où. Mais elle doit retrouver le matos avant que ses patrons se rendent compte qu'elle a merdé. Eh bien, Miss V, sacré pouvoir de déduction. Évidemment, je te laisse exploiter ces infos comme tu l'entends, bien de préférence. Et pour ça, il va te falloir le dossier de cette morue. Je te l'envoie. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Lidzies. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Une dernière chose, Miss V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire ? À plus. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. Ce type sait comment protéger ses affaires, y'a pas à dire. Il veut nous confier des petits coups, un genre de travail préparatoire, avant de nous mettre sur du lourd. Y'a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Chingon. Eh ben dis-moi, t'as pas l'air super joyeuse. Tu sais quoi sur Royce ? Lui, c'est un matraqué de chez matraqué. Les junkies sniffent de la coke, lui, il sniffe du chrome. Et il y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui m'a mis le job sur la table, Evelyn Parker. Toi ? Edex, il va faire quoi ? Se balader en limo ou en draguant des filles par rouleau ? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, faut savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi ? Le Maelstrom ou Parker ? Parker. Je préfère la voir avant, histoire de savoir où on met les pieds et ce qu'elle cherche. Oh là, allez. Je vais faire un tour à l'usine Old Foods, alors. Fouiner un peu, tâter le terrain. Hasta luego. Ok, mission accomplie. Bon, c'est vrai que dans cet épisode 2 là, on n'a pas fait grand chose pour l'instant, mais vous inquiétez pas, hein. Là c'est que le début du jeu encore, hein. Je suis qu'au début, donc vous inquiétez pas, je vais prendre ma bagnole là. Elle est où cette bagnole là? Ah, elle arrive, voilà. Merci. Qui m'appelle là? V, j'ai un problème de rat dans mon quartier. Comme tout le monde, tu me diras. Sauf que là, c'est des rats de taille humaine, et avec des gueules de tiger claws. Et le plus gros d'entre eux, c'est une rate qui s'appelle Taki Kenmochi. Tu peux bien rendre service à ton fixeur en te débarrassant d'elle ? Je t'ai envoyé les détails.
Mais moi j'ai autre chose à faire là en fait, se rendre au Lidzi entre 18h et 6h. Allez, c'est parti. C'est par là, non, je sais pas. Ouais, bah je suis, hein. Je suis l'itinéraire. Wow. Ouais, c'est chaud pour conduire. D'accord. Oups, pas fait exprès, pardon. Vas-y, comment on sort là? Oh, comment on sort? Ah, ok. Je suis bête. Ok. Attends, attends, tiens, chez où? Ah, c'est là. Voilà, nice. On y va. C'est parti. Let's go. Tu me laisses pas rentrer, toi? Non, non, mais je dois passer, hein, je t'explique. Ok, d'accord. Fermé. Ah bon? Ah, mais il est que 15h19 dans le jeu. Ah, ouais, d'accord. C'est pour ça que c'est pas ouvert encore. Ok. D'accord. Ah, ouais, c'est pas encore ouvert. D'accord. Tu veux que je fasse quoi en attendant? On va faire autre chose, hein. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose sur la carte là. Donc... Mêle-toi de tes affaires, ok? Ok, là il est 15h33, tu veux que je fasse quoi là dans le jeu? Mais y'a rien à faire en fait. Y'a rien à faire, bah qu'à explorer le jeu. Mais
vois pas ce qu'on peut faire là. Hein. Bah écoutez, je vais retourner là-bas à l'entrée et puis on va se laisser à la rein. Hein. Parce que là, je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. Carte, je vais aller voir ça. Sur une mission secondaire parce que sinon je vais m'embêter, donc on va faire une mission secondaire puis après on se laissera sur cette vidéo. Voilà. Ça marche. Super! Qu'est-ce qu'on attend alors? Oh! En voiture, vite! Laissez-moi deviner. Étalon X, modèle XCV-19. Ouais, comment vous savez? Je m'y connais en implant, y compris les trucs du marché noir. Un modèle défectueux, rappelé. Mais qui se vend toujours sous le manteau. Écoutez, merci de ne pas vous moquer de moi. C'est vraiment simple. Et pourtant, c'est pas facile. Allez vous faire foutre! Vraiment pas de bol. Oh, t'as avancé, putain, passez là-dessus! Coolos, Tchoum. Y'en a pour une seconde. Coolos? Ah, tu me dis d'être coolos? Ah, mais ça brûle, putain! Coolos, je fais ce que je peux. C'est ce que j'ai dit à ma femme. Apparemment, ça lui suffisait pas. Oh, oh saloperie de putain! De merde! Vous êtes vraiment obligé de brailler comme ça? Vous réalisez à quel point ça fait mal? J'ai l'impression d'en manger un putain de taille créant! Eh ben, souffrez en silence, Tchoum.
qui nous tue pas nous rend plus fort, non? Je suis mort de rire! Intéressant la mission, enfin ouais, faut juste ramener un mec, j'ai un char Q-Dox et tout, je croyais que c'était intéressant mais bon c'est pas grave. C'est quoi qui m'appelle là? Sous-traitants du NCPD. Un mandat a été lancé à l'encontre de suspects accusés de crimes organisés à proximité de Ross Street et Shipyard Way. Un groupe de désosseurs mené par Yelena Sidorova a agressé plusieurs sans-abri. Considérez les suspects comme armés et dangereux. Les autorités de Night City offrent une récompense à quiconque neutralisera la menace. J'ai rien fait, moi! Je vais te bouffer les tripes! Go, go, go! Chargement, il est long là. Je veux pas attendre 400 ans. Avis à tous les sous-traitants du NCPD. Un mandat a été lancé à l'encontre de suspects accusés de crimes organisés à proximité de Ross Street et Shipyard Way. Un groupe de désosseurs mené par Yelena Sidorova a agressé plusieurs sans-abri. Considérez les suspects comme armés et dangereux. Les autorités de Night City offrent une récompense à quiconque neutralisera la menace. Je peux pas mourir. J'ai rien fait, moi. Non. Je peux pas mourir. On va s'amuser, toi et moi. Blessé.
Ah, je comprends bien maintenant. Ah, on va s'amuser un peu. Ah, j'ai plus de munitions. Dedans, ça fait quoi? Ouais, non, vas-y, c'est tombé. Je suis pas fort pour l'instant. Hé, fais gaffe! Mais bouge, toi! Bon, c'est quoi qui m'appelle l'autre là? Grand chose pour l'instant dans cet épisode 2 là.
Ok. Je t'écoute, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait longtemps que t'attends? Mi madre m'a toujours dit que la patience était une vertu, alors. Des nouvelles de T-Bug? Tu lui as parlé? Elle est au courant et elle est partante pour bosser avec Dex. Elle se prépare déjà. Ils se connaissent, en fait. Ils bossaient ensemble avant que Dex disparaisse. Dex a déjà payé les Maelstromers pour le robot Corpo. Sauf qu'on peut pas être sûr qu'il soit toujours prêt à nous le donner. Il a payé d'avance? Bon, ça change rien. Allons récupérer ce robot. T'as réfléchi, t'as un plan? M'étonnerait que ça se passe en douceur. C'est le Maelstrom. Avec des gangs, c'est pas compliqué. Les forts survivent, les faibles meurent. Et faut baiser l'autre avant qu'il te baise. Bon, on entre faire coucou à ces Borgs. Allons voir ces enfoirés. Bon, on va frapper à leur porte. On verra déjà s'ils ouvrent. Ah, je hais ces enfoirés de Borgs. Fallait que ça tombe sur eux. C'est un gang comme les autres, non? Prends les Valentinos. Ils suivent Dieu et la Santa Madre. L'honneur a un sens pour eux. On sait ce qu'ils veulent, comment ils l'obtiennent, et ce qui les fait chier. Avec le Maelstrom, on sait jamais à quoi s'attendre. Vas-y, préviens-les qu'on est là. Allô, y a quelqu'un? Va falloir s'y mettre.